à Fred Costo hein, pour protéger son ballon comme il le fait. Une option disponible. Il peut le mettre. Et ce ballon qui sort en corner. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Super barré. On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Un corner qui sera dégagé. Attention à ne pas commettre de faute. Et l'avantage qui n'a pas profité, l'arbitre qui décide de revenir à la faute. Gardien qui répond au présent hein, sur cette action. Raúl Garcia. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ah, la tentative lointaine. La puissance y était, mais pas la précision. Je serais surpris hein, que l'équipe locale prenne le jeu à son compte. Même à domicile, on sait qu'elle a l'habitude de rester plutôt regroupée, prudente et de privilégier le jeu de contre. Allez, il y a du monde pour reprendre. Oh, il a vu son partenaire, bien joué. Il est en train de remonter le terrain. Un danger qui se précise peut-être. Et c'est pour le gardien. Allez, il se pose pas de questions. Long dégagement. Et le ballon dans les bras du gardien. La frappe. Pas de problème pour le gardien. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Ce ballon qui est dégagé. Williams. Et la voilà, la frappe. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Et en deux temps, le ballon qui est sécurisé. Premier arrêt exceptionnel. Hein. Et puis la prise de balle dans un deuxième temps, c'était chaud. Ouais, elle progresse bien là. Les Madridiens de l'Atlético. La faute au ralenti. On voit le joueur se jeter hein, sur ce tacle. Il n'a pas trompé la vigilance du gardien sur ce coup franc. Attention à la contre-attaque. Le contre qui se rapproche du but adverse. C'est incroyable ce qu'on vient de voir parce qu'il y a une contre-attaque magnifique. Beaucoup de précision, beaucoup de mouvement. C'est magnifique et à l'arrivée, c'est absolument n'importe quoi dans la conclusion. Antoine Griezmann. Pour Luis Suarez. La passe de Luis Suarez interceptée. Il donne un ballon piqué.
C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. De posséder du ballon à l'Atlético. Il s'avance vers la surface. Il y aura un coup franc pour l'Atlético. Felipe. Renan Lodi. Lénard. Ouais, la belle passe de Luis Suarez, magnifique. C'est un corner pour l'Atlético. Mauvais dégagement, mal fait. Ah, il a pris sa chance de loin, hein, sur cette frappe. Raúl Garcia. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Allez, dans la surface, il y a du monde. Et le dégagement pour éloigner le danger. Lemar. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Alors, le ballon est perdu. Dani Garcia. Raúl Garcia. Le ballon qui va revenir à l'adversaire. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Williams. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Ah, il est bien parti ce corner. Corner qui ne m'a rien donné. Dani Garcia. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Ouais, il y avait des supporters qui ont senti que c'était une vraie occasion ce corner pour peut-être prendre l'avantage. La tête. Non, ce ne sera pas du tout inquiétant. Raúl Garcia, les 30 derniers mètres. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Ballon qui est sorti en touche. Dani Garcia. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. L'arbitre qui fait signe de jouer, avantage à l'Atlético. De prendre l'avantage et le premier but de la partie, l'ouverture du score. Il est bien placé, il a mérite d'être là au bon moment, c'est ce qu'on lui demande. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Un très très beau geste défensif. Luis Suarez qui perd un peu bêtement ce ballon rapidement. Le défenseur qui stoppe net cette action. L'équipe visiteuse qui court après le ballon dans l'ensemble. On n'a pas empêché cette équipe de se montrer réaliste. Elle a l'air de vouloir faire bloc maintenant et de laisser l'adversaire prendre les initiatives. Moniain. Raúl Garcia. Et le drapeau qui s'est levé, ou je suis pas sûr. Qui
Griezmann. Ça, c'est très bien défendu. En cloche pour Luis Suarez. Attention, une certaine bonne occasion de but pour Suarez. Oh, il ne s'est pas laissé surprendre, le gardien. Le corner en direction du point de pénalty. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. Un ballon qui sort en touche. Allez, il a de la place dans le couloir. Dani Garcia. Ouais, bonne anticipation sur cette passe. Très belle récupération là. Le gardien qui repousse. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Il y a un coup franc pour l'Atlético. Allez, la volée peut-être. Ouais, magnifique, splendide, splendide arrêt. Le danger est écarté, ça s'est joué à une fraction de seconde. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Corner dégagé par la défense. Et corner pour cette équipe qui compte déjà un but d'avance. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Capa. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Ouais, ballon facile. Cette tête qui n'était pas suffisamment dangereuse. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment d'en gagner les vestiaires, 1-0. C'est reparti dans ce match, c'est l'Atlético de Madrid qui mène. Antoine Griezmann. Griezmann qui centre. Suarez. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Williams. Dani Garcia. Bilbao qui nous propose une belle série de passes, d'échanges. Il file seul vers le but. Oh, le but! Le but signé, Iñaki Williams. Excellent travail dans cette ultime face-à-face. Le petit coup d'œil pour prendre l'information. Et la frappe en force pour conclure. Un but partout. Les deux équipes dos à dos. Antoine Griezmann qui frappe. Et c'est pour le gardien. Décidément, cette équipe a vraiment du mal à concrétiser ses occasions aujourd'hui. Il faudrait un petit peu plus de réalisme pour prendre les devants dans cette rencontre. On aura rendez-vous avec du championnat d'Espagne avec cette rencontre. L'Athletic Bilbao accueillera Valence à domicile. C'est vraiment un match. Ouais, il ne faut pas hésiter à plonger là pour écarter le danger. Il faut rester méfiant sur ce type de ballon. Et c'est un corner. L'occasion pour eux de prendre l'avantage peut-être. Ah, mauvais dégagement là, attention. Coup franc contre l'Atlético. Ouais, la
Bonne intervention du gardien qui dévisse ce ballon au-dessus de sa barre. Ce sera un nouveau corner. Une superbe tête qui ne laisse aucune chance au gardien. Le corner qui a amené le but, la reprise de la tête, qui ne laisse aucune chance. Il mène à la marque désormais de 2 buts à 1. Antoine Griezmann. On s'approche du but. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Unai Núñez. Dani Garcia. On a de bons coups d'œil. Raúl Garcia. Oh, le but peut-être. Oh là là, tout le monde a cru au but, mais il y a eu cette intervention magnifique, ce très bel arrêt. Pas de regret, hein, de toute façon, parce qu'il y avait un hors-jeu sur cette action au départ. Un ballon perdu un peu bêtement par Griezmann. La passe aérienne, pas mal. Griezmann. Luis Suarez. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Oh, le but. Oh, le but de l'égalisation pour l'Atlético de Madrid. Il est bien placé, il a mérite d'être là au bon moment, c'est ce qu'on lui demande. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, il progresse bien là. En position idéale pour centrer. Oh, la mauvaise relance. Oh la barre. Oh là là. Hors-jeu. Ouais, le but était marqué, mais ça ne sera pas validé. Hors-jeu assez net. Et le but logiquement annulé. Elle est par-dessus, pas mal. Kermunian. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Et le ballon hors cadre. Hors cadre. Pourquoi ne pas jouer en force. Trop fin sur ce coup. Vous voyez s'afficher sur votre écran le programme avec ce match qui a lieu tout à l'heure et qui fait très envie. Ce sera encore un match d'exception que vous pourrez suivre en notre compagnie. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Ah, il est passé. Il file vers le but. Ah oui, très bonne intervention du gardien. Cherche le point de pénalty. Et la tête qui va passer hors cadre. Il faut dire qu'il y avait du monde pour l'embêter. Dani Garcia. Allez, peut-être une bonne occasion.
Kier Mounien. Raúl Garcia. Et le but! Le but extrêmement important! Ils prennent l'avantage dans ce match! Ah ouais, le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Enfin la frappe qui est propre, bien appuyée. Atlético Madrid se retrouve donc mené. Ouais, bien donné ce ballon. Alors que c'est mal défendu. Excellente intervention. On s'approche du but adverse. Oh, l'arrêt magnifique. Magnifique arrêt. Oh, il fallait le sortir celui-ci. Hein. Un duel pour la récupération du ballon. On se dispute ce ballon. Thomas Lemar qui va pouvoir s'engouffrer dans l'espace. Et de nouveau un corner. Un changement normal après tout. Ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant. Mauvais dégagement, mal fait. Ah, c'est complètement dévissé. L'équipe qui a été trop perméable, hein, c'est clair. Lorsqu'on encaisse 3 buts, c'est difficile d'aller gagner un match. Mais bon, on ne sait jamais. Il y a peut-être un match nul à aller chercher. Attention, le tir. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. L'Atlético Madrid, le but. On voit le corner, hein, qui a amené le but. Le timing parfait pour conclure de la tête. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Raúl Garcia. Ouais, on fait tourner en attendant un petit décalage possible, une faille dans la défense. Pour un équipier au second poteau. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Il y a peut-être moyen de placer un contre, hein, attention. Ouais, l'entraîneur pas très content. Et il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. Raúl Garcia. Oh, très bien défendu. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Antoine Griezmann. Est-ce ce ballon qui traîne? Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Là, le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Griezmann qui élimine son adversaire. Ah, on prend sa chance. Ouais, dommage, la frappe qui a filé au-dessus. Yuri. Atlético qui perd le ballon. Et on a décidé de pousser avant cette fin de match. Il y a peut-être un truc à faire. Williams. Il
Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Chercher quelqu'un avec ce centre. Voilà, magnifique reprise de volée qui méritait mieux, mais qui passe à côté. Le stade qui est très chaud. Tout le monde a compris que le prochain but serait certainement celui de la victoire. Ah, il donne le tournis au défenseur, il leur fait tout là. Et le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe en toute fin de match. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Face à face qui a remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Les Basques qui sont en tête au tableau d'affichage dans ce match. Il est sur la trajectoire. Vasga. Dani Garcia. Williams. Oh, il a réussi à passer. Williams. Oh là là, c'était juste et dangereux. Dépossédé du ballon à l'Atlético. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Alors, le ballon qui est dégagé. Oh, que c'est bien donné ça. Ouais, bien servi Antoine Griezmann. Oh, ça rentre, le but. Égalisation dans les tout derniers instants du match. Voilà, la contre-attaque qui a amené ce but. Et pas de détails, hein. En conclusion, dans le face-à-face, la frappe puissante pour conclure. Ah, c'est l'égalisation, 4 partout, match complètement fou. Ouais, très propre ce tacle, ce sera donc une touche. Dani Garcia. Vasga. Allez, ils attaquent, c'est le match qui se joue. Oh, quelle occasion, mais que... La fin du match à l'instant. Les deux équipes qui se neutralisent.